Bonjour les amis, c'est Vadim et aujourd'hui on se retrouve sur les 5 sales machines saison 28 Tank. C'est la fin de saison, hein, très clairement, on le voit. Alors, concernant ce qu'il y a à rechercher, donc j'ai arrêté le Dr. Kavan, même s'il si reste intéressant avec les tanks et tout. J'ai pris Bullitt, je l'ai pas mis au niveau max encore. C'est vrai que je prends encore le mur, mais c'est pas grave. Alors, ce que j'ai pris, du coup, on va prendre l'incinérateur, le tester. Faut pas oublier qu'en gros, enfin je vais vous, enfin de toute façon on va le voir en bataille, 50% de dégâts des troupes, 50% de dégâts des bâtiments, donc j'ai pris tout ce qui était le plus important. Alors ensuite évidemment il y aurait eu le carboniseur qui aurait été très très intéressant, peut-être même plus qu'un incinérateur, mais ça on va en reparler directement au combat. Donc ça vient charger. Donc, pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant? Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a? Il a mis ça, il a tout condensé, ben on va attaquer. Alors, on peut balancer une. Ouais, on va balancer ça. Bon, c'est débile, il fallait mettre plutôt les tanks, mais c'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, il perd déjà des points de vie constamment. Donc, ça, c'est le défaut, je dirais, du carboniseur. De l'incinérateur. Hop, on balance le truc. Et ça, il faut détruire absolument. Le lance. Enfin, l'électrocanon, pardon. L'électrocanon pour le détruire directement. Pareil pour le canon de la mort. Et en plus on détruit en même temps un lance électrobombe, donc c'est parfait. Oulala. Et comme vous pouvez le voir, donc là il lance des petites boules de feu. Un peu au hasard. D'ailleurs ça n'a rien fait de positif ces boules de feu, mais ça c'est une autre chose. Et donc on vient de perdre clairement notre ami Bullitt. Donc ça c'est ça craint. Mais on a une seule machine en haut qui est prise. Voilà, donc ça c'est positif. Hop, on va vous immobiliser ici. Ouais, le super canon ne one shot pas nos tanks. Donc ça c'est plutôt positif. Et là on voit les bestioles qui arrivent en renfort ici. Mais ça va pas aider. Ça aide un peu à distraire, mais pas assez. Et oh, il est déjà là. Incroyable. Bah dis donc, il fait du beau boulot. Hein, qui fait du bon boulot. Incroyable ça. Hop, on détruit ici. Qu'est-ce que je peux. Bon, on pourrait le balancer ici, allez. Et on pourrait même balancer celle-là pour embêter ce lance électrobombe qui est assez insupportable, ma foi. Voilà, et là, là, il faut soigner parce qu'on a un tank qui est vraiment, vraiment avec très peu de points de vie, c'est ça craint. Ok, en fait, là, il faut juste détruire le lance-lame et c'est parfait. Les bestioles vont être tranquilles. Enfin, elles vont crever par les super canons, mais grâce à ça, tous les tanks vont être protégés. Donc, c'est plutôt plutôt positif. Voilà, maintenant on va leur demander d'attaquer ça. Alors, pourquoi ça et pas ceci? Et parce que je peux balancer tout bêtement un tir d'artillerie dessus et c'est bon. Ouais, voilà, il y a même des preuves. Parfait. 5 sur 5. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il a pris comme composition? Moi, ouais, il a pris beaucoup de canons à bestioles. Les zoukas et les fusillés. Enfin, les fusillés, je pense, non, il n'a pas du tout pris, c'est Dr. Kavan qui fait ça. Incroyable. Voilà, il n'est pas passé par les super mini ici. Il est passé par l'autre côté, qui est le plus long, du coup. C'est plus long hein, par là, je pense. Ah, il y a également des super mines en fait, je suis débile. Voilà, donc n'importe quel côté où il va, il y a des super mines. Voilà, mais c'est un peu le même principe à chaque fois que je vous montre, hein. Même si. Ah, il condense tout, je comprends pas. Avant, c'est jamais comme ça. Hein. Et c'est débile. J'espère que vous faites pas ça parce que c'est vraiment. Enfin, je comprends pas votre. Enfin, si vous faites ça, je comprends pas parce que vous condensez toutes vos salles de machines en un seul point et votre adversaire, c'est 10 fois plus simple d'y arriver. Certes, vous pensez, ouais, ok, tous vos canons sont condensés donc ça fera plus de dégâts. Mais évidemment, étant donné que c'est plus condensé, c'est plus simple également à détruire. Genre là, je vais détruire plus de choses. Boum, hop, j'ai déjà détruit plusieurs choses en un tir. Voilà, et c'est fini. Boum, on a tout explosé. Hein. Alors, ouais, il va crever, l'incinérateur, allez, adios. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste 200 lances électrobombes. Ouais, ma foi, ça va être un peu chiant, mais on a Bullitt qui est full life. Il est là, il est vivant, donc c'est déjà positif. C'est déjà clairement positif. Un Bullitt full vie, c'est cool. C'est clairement cool. Bon, en fait... Ah, ces lance-roquettes sont d'ailleurs pas à niveau max. Moi, oui. Petite différence. Mais ça, j'en ai que c'est un peu de sa faute. Hein. S'il est pas à niveau max... Hop,
Ouais, l'électromine, ça fait toujours des dégâts. Ok, qu'est-ce qu'il lui reste en fait qui peut énerver mes bestioles? Je dirais une mitrailleuse. Il lui reste. Non, deux mitrailleuses. Deux mitrailleuses. Il lui reste deux mitrailleuses. Et peut-être à la limite les mortiers aussi. Mais. Il lui reste une mitrailleuse et deux mortiers. Ma foi, on a connu pire. Hop, on va lancer un petit tir ici. Pouh! Ouais, aïe, le super canon fait un petit tir. Ouais. On peut encore survivre à un tir, je pense, de super canon. Mais c'est assez limite, hein. Hop, ça, on peut balancer. Et c'est tranquille, c'est tranquille. On peut même attaquer ça ici. Et attaquer les mitrailleuses avec un boulet. Hop, loup! Magnifique. Hop, on peut passer de l'autre côté. Voilà. Parfait. Ben voilà, il reste juste 2 minutes, c'est rien du tout, hein. Enfin, en fait, c'est plutôt énorme. C'est plutôt énorme le temps qui est restant. Ok, lui, il arrive également. Ouais, il y arrive également. Mais. Il perd énormément de troupes. Donc, il a pris deux incinérateurs, tiens, c'est drôle. Oh, on passe rang 17. Bah oui, bah arrêtez de ne jouer plus comme ça. Que des victoires. Tout simplement que des victoires. Ah, une défaite. Dommage. Ça aurait été beau avoir que des victoires. Mais c'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on est reparti? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Donc voilà, donc lui, il a pris deux incinérateurs. Tiens, pourquoi est-ce qu'il en a pris deux? Moi, Bullet et non, il est pas fou, là. Il est pas foufou. Et du coup, bah, on est reparti. Tiens, allez, on est reparti une toute dernière fois. J'espère que ce sera une autre base plus intéressante. Du coup, je suis déjà monté d'un rang. Donc, normalement, ça doit être plus intéressant déjà. Si on trouve un adversaire, évidemment. Non. Ok, il a trouvé. Ça a pris du temps. C'est la première fois. Ah! Beaucoup plus intéressant. Hein, beaucoup plus intéressant, adversaire. Ça, je suis content. Je suis content. Pouh! Lance-roquette max, il a tout max. Il est chaud, hein. Il est chaud. Alors, il n'a pas d'électromine. D'accord. Déco. Après, c'est pas trop grave parce que, je veux dire, les canons à bestioles les détruisent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a vraiment tout séparé comme ça, la machine, c'est bien foutu, hein. Et il en a que 3? Non, mais non. On va faire quoi? On va aller à gauche, je pense, pour aller ensuite tout en haut. Et on va détruire celle-là à distance, ouais. C'est dommage, quoi. Oh, quel dommage. Tu aurais pu être un bon adversaire, mais tu es nul. Donc on va détruire ceci. 1, 2, et c'est normalement fini. Ok, peut-être qu'il y en a un qui était en trop, un tir en trop, je ne sais pas. Voilà, on peut en détruire tranquillement. Là, je peux même balancer tout là-dessus, en fait, hein. Je vois même pas pourquoi je m'énerve à faire autre chose. Ici, on peut balancer 2 tirs. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Ça ne suffit presque pas. Non! Allez, on va juste attendre les petits points. Et on a tout détruit, hein, tout clairement. C'est fini. Voilà, c'était facile, rapide, tranquille. Minutes 22, punaise, oh là là, pourquoi ne pas mettre toutes ces salles de machines quoi? T'en as 5, pourquoi t'en mets que 3? C'est débile, tu perds tout en fait. Je sais même pas comment il a réussi à être rang 17, c'est trop facile de le détruire. Il est vraiment easy. Si t'as 5 salles et ton construit, c'est vraiment trop facile. Et lui, tu fous le canon invisible, mais punaise, mais ça marche pas, c'est 10 fois trop long. Surtout quand t'as 5 salles, comment est-ce qu'il va faire pour arriver jusqu'au bout? Ça, je me demande quand même. Donc, on va observer, hein. On va voir à quel point, où est-ce qu'il peut aller. Et il a déjà perdu le Dr. Kevin, d'accord. Je suis pas sûr qu'il va y arriver, hein, très clairement. Il abandonne. Bah oui, t'avais aucune chance d'aller. Allez, il pouvait prendre encore une salle. Mais. Bon, bref, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces en l'air. Ça dit, ciao, on se reprend une prochaine vidéo très bientôt. Piu-piu.